Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Yu'jibuni al-fa'al » et dans une autre version il dit « Yu'jibuni al-fa'al al-hasan » et j'aime la positivité. Il est important que le musulman reste positif quoi qu'il arrive. Malgré tout ce qu'on entend, les mauvaises informations, les maladies, les problèmes, tout ça le musulman ne doit pas s'attrister. D'ailleurs, la tristesse n'est pas une adoration. On voit souvent des gens aller à la mosquée, lorsqu'ils sortent, on dirait ils sont kaïb, ils sont tristes, ils sont attristés. Non, la personne a adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Elle est partie faire la prière au masjid. Elle doit être heureuse parce qu'elle s'est rapprochée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était important de garder l'espoir. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être triste. Dans sourate Ash-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. Vas-tu te laisser consumer parce qu'ils ne veulent pas être parmi les croyants? Subhanallah. Regardez aussi l'inquiétude que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait lorsqu'il voyait les gens ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, le musulman doit être comme ça normalement. Allah azza wa jalla dit dans sourate Yusuf قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, a interdit aux croyants d'être tristes lorsqu'ils étaient éprouvés. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Et ceux qui nous ont précédés, parmi les prophètes, parmi les peuples qui nous ont précédés, ils ont souffert aussi. Quoi qu'il arrive, l'humanité a souffert. Allah Azza wa Jalla dit لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدْ. L'être humain a été créé dans la difficulté. Depuis ton premier souffle jusqu'à ton dernier, tu vas connaître des difficultés. Quoi qu'il arrive, que tu sois riche, que tu sois pauvre, tu vas connaître des difficultés. Mais il est important de ne pas être triste. Pourquoi? Car la tristesse ramène au désespoir. Et le désespoir a des choses bien pires que ça. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran Am hasibtum an tadkhulu al-jannah. Pensez-vous rentrer au paradis? Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum massatuhum al-ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladhina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrallahi qarib. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fuyait de Quraysh avec Abu Bakr radiallahu anhu et qu'il cherchait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le tuer, ils se sont retrouvés dans la grotte comme vous le savez. Alors que Abu Bakr radiallahu anhu était inquiet, qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? La tahzan, inna allaha ma'ana. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas stipulé la tristesse comme étant une adoration, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dit que la tristesse ne fait pas partie des étapes du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. La pudeur fait partie du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, la peur, l'espoir fait partie des étapes du cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Même pour les gens qui ont fait énormément de péchés, la tristesse parfois peut venir de ça. Une personne qui se dit « mais j'ai fait 1 milliard de péchés, comment je vais m'en sortir ?» Donc il passe des péchés au désespoir, de la tristesse au désespoir. Un pieux prédécesseur a demandé à un imam « ma hiya arja ayatin fi kitabillah ?» Quel est le verset dans lequel il y a le plus d'espoir? Regardez la question, regardez les questions importantes. Quel est le verset dans lequel il y a le plus d'espoir? Alors l'imam lui a répondu قُلْ يَا عِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'israf, lorsque par exemple on parle de israf, c'est le gaspillage. Une personne qui dépense beaucoup d'argent, qui gaspille de l'argent, on dit wa musrif. Là, cette personne-là, elle a fait beaucoup de péchés. Elle a exagéré dans le péché. Pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé adorateur. وَلَا تَقْنَطُوا. Ne désespérez pas. Quoi qu'il arrive, ne sois pas triste.
إن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.